Salut tout le monde, petite vidéo pour un 23 décembre, donc oui théoriquement c'est les vacances, je pars le 27, petit voyage au Costa Rica en famille, mais ça vous le savez déjà. Là je vais vous faire ma journée, donc il est 10h, il faut aller, donc là je m'en vais de suite à mon bureau, poser j'ai les factures déjà de tout le mois de décembre, donc vraiment tout bien classé pour la comptable. Je vais récupérer mon sac pour pouvoir partir au Costa Rica pour mettre l'ordinateur et tout, puisque bon, mais quand même je pars avec un petit peu de matériel quand même, vous faire encore des vidéos comme Tahiti là, et puis alors là en plus je me suis fait un petit plaisir avec la dernière GoPro, donc là je pense que ça va être vraiment sympa, même dans l'eau et tout, ça va être top. Donc là je vais au bureau récupérer un dossier d'un de mes immeubles, et puis après j'ai rendez-vous avec un de mes élèves, le dernier qui est rentré dans l'école il y a 2 jours. Donc ben là on part directement, et j'ai rendez-vous avec une autre personne avec qui je suis dans des groupes d'immobilier. Il veut voir mes travaux de Bazas. Donc voilà, donc la journée ça va être ça, le bureau, prendre mon élève, direction Bazas, on va visiter tout ça. On a aussi rendez-vous avec l'entrepreneur, comme ça moi je vais voir l'avancée des travaux, et puis ensuite on ira sur Nérac, donc visiter cet immeuble où vous avez vu donc la vidéo que je vous ai fait. Et grosse surprise sur la vidéo que je vous ai fait, on était parti sur 6 appartements et j'ai visité avec un autre de mes élèves, et on pourrait sortir 2 appartements de plus, donc meilleure rentabilité derrière. Donc ça je ne l'ai pas encore calculé, mais déjà avec 6 on a une très très bonne rentabilité, donc 2 de plus, je vous explique même pas. Un peu plus de travaux bien sûr, on va déduire encore un petit peu plus longtemps, déjà on était vraiment parti très très bien, donc voilà. Donc on va faire tout ça, et puis vous allez avoir au fur et à mesure les petites vidéos, c'est moi qui vais les prendre toutes directement, et comme ça vous allez avoir tout le contenu, voilà, allez, à tout à l'heure. Donc voilà, oui, parce qu'il a vu les vidéos. Combien de temps là, les travaux ont commencé? Ça fait un moment, j'aurais dû être livré, ça fait plus de 18 mois. Donc voilà, on a perdu vachement de temps. Donc voilà, non mais là depuis que Dimitri a repris, hein, il a repris toutes les conneries en même pas 3 semaines. Parce qu'il y avait du boulot. Déjà ce tuyau là est mal placé. J'ai pas déjà, ouais. Après, je pense que c'est ça, mais c'est tout. Et ça c'est mal placé. Parce voilà, dernier appartement en haut, donc de l'immeuble de Bazas. Donc ça sera fait après. Ici, on est sur un T3. Donc il y aura une première chambre là-bas, une deuxième chambre là-bas. Ici, là où ils sont, il y aura la salle de bain. Et là, ici, il y aura la cuisine. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est l'artisan, un des élèves. Et on discute. Voilà, on échange. Après, c'est pour la mérite d'être traité. On fait les 4 autres, et puis après ici on reprend. On reprend toutes les. Super. Tout ce qu'il y a à faire. Ça c'est magnifique. Parce que là, le plafond il est décalé. Il a essayé de faire une map, je sais pas ce qu'il a mis là. Voilà, la petite niche. On a essayé une map. Ouais, c'est deux plafonds, mais vraiment pas identique. Oui, rue du Prieuré. Ouais. Bon allez, on continue, donc là on vient d'arriver à Nérac, donc on va aller visiter l'immeuble, donc voilà, comme d'habitude, comme ça on va pouvoir voir au niveau des travaux. Ici, regardez, hop, le château que vous voyez là, c'est le château d'Henri IV, donc ben, voilà, c'est très dynamique, on le voit, Jérôme il a jamais vu, déjà il aime bien, il y a des églises partout, c'est sympa. Donc allez, on va aller à l'immeuble, on va prendre à manger avant quand même, parce que petite faim hein, depuis tout à l'heure. Donc voilà, on a visité l'immeuble, donc vous pouvez voir le centre-ville de Nérac. Donc ben top, ça bouge, ben, y a de la demande. Donc quand il y a de la demande, c'est que c'est bon. Donc voilà, ben, il fait des petites vidéos, Jérôme. Donc ça lui a bien plu. On a pu avoir, donc, ben, comme on fait d'habitude, se projeter, voir comment on peut découper. Alors là, on va se remettre sur les plans. Donc voilà, une petite journée comme j'aime, avec les élèves pour faire avancer les projets. Et puis voilà, gagner, comme on dit, du cash flow et pouvoir profiter un petit peu de la vie, hein. C'est comme ça. Voilà, allez, et bien on rentre à la maison, et bien sur ce, on se verra dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.